Montrer la commande de réglage du volant. Donc là, c'est super simple. Vous allez montrer à l'inspecteur là où vous, comment on fait pour régler le volant. Mais vous n'êtes pas obligé de dérégler. Juste avec ton doigt, tu te dis, bah, c'est ici. Et je vais vous montrer parce qu'il y en a plein qui savent pas comment régler le volant. Du coup, bah, direction la voiture. Je compte sur toi pour liker et t'abonner, mon frérot. Hop là. Donc, vous avez votre volant qui est juste ici. Et pour régler votre volant, c'est en fait ici en bas à gauche. Attendez, je vais retourner la caméra pour vous montrer. Donc là, vous avez le volant. Et si vous allez en dessous à gauche, hop, vous cherchez, vous avez la petite molette qui est là. Et en fait, il suffit de la tirer vers soi. Et après, le volant, il se règle complètement. Et après, on va venir juste la remettre en repoussant. Question sécurité. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez deux exemples. Il y a le confort de conduite, l'accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord et pour aussi l'efficacité des airbags. Et pour terminer, on va faire la question premier secours. Dans quelle situation 205 GTI. Dans quelle situation peut-on déplacer une victime? En présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable. Par contre, le déplacement de la victime doit vraiment rester exceptionnel. Genre, on fait ça vraiment s'il n'y a pas le choix. Si on peut éviter, on évite.